Ouais, je sais. Je sais, je sais. Ça fait me rêver d'un coup, hein. Salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une petite vidéo sponsorisée des familles. Eh ouais, et aujourd'hui on est sponsorisé par Snapchat. Ça déchire, hein. Non, je déconne. On n'est pas sponsorisé par Snapchat. Le jour où on sera sponsorisé par Snapchat, on aura réussi un truc de dingue, mon vieux. Un truc de fou. Non, par contre, on est sponsorisé par Dynasty Warrior. Et franchement, c'est cool quand même. Inch'Allah, un jour, on sera sponsorisé par YouTube, mon vieux. Là, on aura tout réussi, mon vieux. C'est un truc de fou. Donc aujourd'hui, les gens, petite vidéo sur Dynasty Warrior Unleashed. J'espère que je le prononce bien. Je crois que ça se dit Unleashed. Et franchement, c'est cool. Et on va lancer ça tout de suite. On va prendre un petit bonhomme. Je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonhommes. Donc c'est cool. Et franchement, on va prendre lui, mon vieux. Non valide. Yes, vas-y. C'est parti. Comment ça, non valide? Pourquoi? Ok, d'accord. Ah bah oui. On va s'appeler Jolat, comme ça. Jolard. Ah, merde. Et c'est bien, Jolard. On s'appellera Jolard, mon vieux. Oh là là, regardez ça, mon vieux, comment que c'est trop bien. Il y a des pièces d'or et tout, il y a des lingots. Tiens, on va prendre la gourde. La gourde, elle est bien, franchement, ouais. Alors là, c'est les récompenses des jours. Donc, il y a la récompense du jour 1, du jour 2 et tout. On va prendre la récompense du jour 1. Franchement, elle est bien, quoi. Vous avez l'air très puissant, monseigneur. Bienvenue dans le monde des royaumes de Mouzou. Ah ah! Mon nom est Guan Yuping. Eh bah franchement, bah je suis heureux de le rencontrer, mon vieux, ça fait bien plaisir. Et on va jouer le mode campagne. Alors Dynasty Warrior, c'est un jeu que je jouais beaucoup à l'époque sur la PlayStation 2. Ça remonte à des années, mon vieux, mais un truc de fou. En tout cas, il était trop bien. Et là, du coup, ils ont fait la petite version mobile et tout. Alors c'est plus devenu un MMORPG, mais ils ont gardé le petit côté beat'em up. Franchement, ça c'est cool. Et vas-y, on va prendre celui-là, l'alliance. Ouais. Yan Chao, vous devriez être fier de vous tenir à nos côtés. Bah bien sûr, mon vieux, qu'on est fier. Alors, voyons donc. Je suis Yan Chao, le chef de cette coalition. L'infâme Donzuo a plongé la cour dans le chaos. Arrête tes conneries, jure. On va aller voir ça tout de suite. Il est impossible pour cette pathétique alliance d'égratigner notre défense. On va aller voir ça. Franchement, en tout cas, ça tue, c'est un truc de fou. Regardez ça, le bonhomme là. Alors regardez ça, comment qu'on peut tout défoncer. C'est comme un Dynasty Warrior, hein. Regardez ça, il y a des super pouvoirs et tout. Tiens, mon vieux, prends ça dans la gueule. Alors, et ben voilà, c'est parfait. Regardez, il y a 2-3 pélos. Bien entendu, ils auront rien compris avec mon attaque ultime. Tiens, voilà. Il y a des super attaques ultimes, mon vieux. Eh ouais, c'est comme ça. Rapport sur le bouclier, la barre bleue sous la barre des PV et la barre de bouclier. D'accord. Une fois cette barre à zéro, vous pouvez soit renverser l'ennemi ou le propulser dans les airs. Ok, d'accord. Je pense que je vais m'en servir pour les propulser dans les airs. Alors attendez, parce qu'avec ça, j'ai reçu un petit mail quand même pour vous parler du jeu. Parce que oui, il y a des choses à parler. C'est une vidéo sponsorisée, mon vieux. Faut parler des choses qui sont dites dedans. Donc alors attention, Père Jolat, raconte-nous une histoire. C'est parti. Dynasty Warrior raconte l'histoire de 3 royaumes. Histoire basée sur des faits historiques. Réel. La plupart des persos du jeu sont donc des personnages ayant réellement existé dans le passé. Tout comme la plupart des événements du jeu d'ailleurs. Voilà, j'ai parlé de l'histoire du jeu, donc franchement c'est plutôt cool, mon vieux. Place à la grande bataille. Tiens, prends ça, mon vieux. Alors ça, c'est vraiment un défouloir, le jeu, mais un truc de fou. Vous avez toujours sur le côté droit. Voilà, quand vous tabassez les bonhommes, en fait, sur le côté droit en bas, vous avez des petits pouvoirs spéciaux qui se génèrent, donc ça c'est plutôt cool. Oui, c'est ça, continuez, mais prudence. Mais bien sûr que je suis prudent, mon vieux. Alors, prends ça, toi. Ouh, y'a un boss. On va aller s'occuper du boss. Lui, déjà, voilà. Lui, mon vieux, on va le rincer en 2 secondes. Il est rincé ou pas? Ah bah ouais, il est rincé, mon vieux. Beau travail, maintenant nos efforts. Bah bien sûr. Là, regardez, va y avoir du monde qui va arriver. Je vais leur balancer un pouvoir dans la gueule, mon vieux. Wow, Lissou est apparu. Prends ça, Lissou, mon vieux. Tiens. Alors, mon vieux, putain, ça te les fait, les pattes. Testons maintenant les actions d'urgence pour nous défendre des attaques puissantes de l'ennemi. Arrête, vas-y. C'est parti. Fais péter les attaques d'urgence, mon vieux. Voilà. Donc vous avez vu vraiment que le jeu, bah c'est un défouloir, hein. C'est vraiment tabassage d'ennemis à fond, quoi. Voilà. Ouh, regardez. Le boss, on se le fait. Tiens, tabassage d'urgence. Prends ça dans la gueule. Et bah voilà, mon vieux, si ça c'est pas du tabassage d'urgence, je m'y connais pas. Voilà, tiens, prends ça. Et bah c'est bon, je l'ai niqué. Victoire. Bah tu m'étonnes, victoire. Bien sûr. Alors attendez, je lis un peu la suite de mon mail. Si tu veux une prime de 1500 €, dis que le jeu déchire sa race. Donc franchement, le jeu déchire sa race. Franchement, c'est clair, je veux dire, moi, je kiffe, quoi, c'est un truc de fou. Si tu veux ta prime de 500 €, n'oublie pas de dire que le jeu est téléchargeable dans la description gratuitement. Le jeu est téléchargeable gratuitement dans la description. Donc n'hésitez pas, il y a toutes les infos. Et oubliez pas, un petit pouce bleu, ça mange pas de pain, ça boit pas de vin. Bon voilà, plus sérieusement, on va continuer, donc ça c'est cool. Alors le jeu, il a près de 50 personnages, c'est quand même pas rien, 50 persos. Il y a carrément la possibilité de former des teams de 3 persos. Excellent, de nouveaux héros guerriers. Et bah mon vieux, c'est parti. Attention, on teste un nouveau perso, on est parti avec et bah avec lui, mon vieux. Il ressemble un petit peu à Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes. Regardez, il a un petit bandolière sur la tête là. Et franchement, il est bien cool. Ouh, c'est qui lui?
C'est un boss? Arrête tes conneries. Ciao, Xing est apparu, mon vieux. Bah, laisse tomber, on va se le faire, il va rien comprendre, lui. Tiens! Attaque spéciale, mon vieux! Prends ça! Rincé. Deux secondes, rincé. Bon, bah victoire, bah, tu m'étonnes, mon vieux. Ça a pas duré longtemps, je l'ai niqué. GG, Jack Sparrow, GG à toi. Et bien sûr, j'ai réussi la mission en 58 secondes avec les 3 étoiles. Bah si ça, mon vieux, c'est pas du skill, je comprends plus rien, quoi. Bon, ceci était la campagne. Et bah franchement, c'est bien cool. Mais on va tester un petit mode guerre. Et là, ça pourrait être pas mal. Ah, là, ça me plaît mieux. Un petit mode en ligne. Un petit mode escarmouche. Alors ça, ça doit être des joueurs en ligne, ça, non? Sûrement. D'accord, très bien. Ouais, vas-y, pourquoi pas. D'accord, ok, je veux bien. Mais ça commence quand? Ah, regardez, je peux choisir mon bonhomme. Ah, je fais carrément ma team. Ok, vas-y. Il y a plus qu'à attendre que les autres joueurs soient prêts. Règle des escarmouches. En récoltant suffisamment de points sur une journée, vous pouvez recevoir une récompense. Ok. 19h, 21h. What? Ça veut dire que je peux jouer entre 19h et 21h, c'est ça? Je comprends pas tout. Pourquoi je peux pas jouer au mode escarmouche comme ça? Bon, honnêtement, j'aurais bien voulu vous présenter le mode escarmouche. Alors, le mode escarmouche, il y en a dans beaucoup de jeux multijoueurs. Je pense que vous connaissez. C'est un mode en ligne, un 5 contre 5. Mais là, je comprends pas. Ouverture environ 19h, 21h. Je vais pas patienter jusqu'à 19h pour vous présenter le mode escarmouche. Surtout à l'heure où je tourne la vidéo. En tout cas, si vous connaissez ce mode de jeu, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si j'ai raté quelque chose. Parce que là, je vois pas du tout, quoi. Mais franchement, c'est bien cool. Bon. En tout cas les gens, on va se quitter là pour la présentation du jeu Dynasty Warrior Unleashed. Je crois que ça se prononce comme ça. Franchement, c'est un jeu qui est bien cool. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo et pourquoi pas la partager si elle vous a plu. Nous, on se dit à bientôt pour d'autres aventures en vidéo. Et je vous laisse là-dessus.